tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous propose ce maquillage là. Donc c'est un smoky bleu et violet avec des glitter tears rosés en dessous. Donc j'espère que ça vous plaira, on va commencer tout de suite. Pour faire mes bases, je vais tout d'abord utiliser un crayon noir, donc assez gros. Moi celui-là vient de chez Make Up For Ever et je m'occupe d'abord de mon ras de cils inférieur que je vais dégrader. Et ensuite je passe à ma paupière mobile, donc je procède de la même manière. Donc j'en mets partout sur ma paupière mobile et ensuite je dégrade les bords. Je vais appliquer Poison Plum de chez Sugar Peel sur mon ras de cils inférieur, donc j'utilise un pinceau de chez Rouge & Rogue et ce sera ma couleur de transition. Pour mon creux paupière, ce sera Blue Velvet de chez Nabla avec encore un pinceau de chez Rouge & Rogue. Et comme je voulais le bleu un poil plus vif, je vais rajouter un petit peu de Velocity de chez Sugar Peel. Pour bien dégrader le tout et avoir un effet vraiment fumé, j'utilise un gros pinceau sur lequel je n'ai pas mis de matière pour bien diffuser la couleur. Maintenant, je vais passer au noir avec Bulletproof de chez Sugar Peel que je dispose par-dessus les bases au crayon que j'ai fait tout à l'heure. Et je m'assure que chaque couleur de transition est bien dégradée dans le noir. Pour rajouter un petit peu de lumière à mon coin interne, je vais rajouter la teinte améthyste de la palette Alchimiste de Kat Von D. Avant de venir appliquer mes faux cils, je m'assure que mon ras de cils est bien noir, donc je recouvre avec un eyeliner noir. Et j'applique ensuite les faux cils, et ceux-ci ce sont les Noirs Fairy de chez House of Lashes, je crois. Je vais venir appliquer des paillettes, donc pour les fixer j'utilise de la colle à paillettes de chez Violet Voss et je la dispose là où je vais mettre mes paillettes après. Pour les paillettes je vais utiliser les rosettes de chez LS Splash, donc avec le code Marion vous avez 25% de réduction sur tout le site. Et avec un pinceau boule je vais disposer les paillettes par-dessus la colle. Pour mes lèvres je vais appliquer la Velvetine Cashmere de chez Lime Crime. Et par-dessus je rajoute un petit peu d'améthyste de chez Kat Von D, c'est la couleur que j'ai mis dans mon coin interne. Et voilà donc le résultat final. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé comme d'habitude dans les commentaires. Et si vous recréez ce look ou tout autre look que vous pouvez trouver sur ma chaîne ou sur Instagram, vous pouvez poster avec le hashtag MarionCaméléon, comme ça je pourrai aller voir vos créations. Et en attendant, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.